Mégo. Lest. Allez, debout, tas de fainéants. Oui, professeur Chen, je vais choisir... Quelle heure il est ? Fait encore nuit. Oui, c'est ce qu'on appelle plus communément l'aube. Attaque éclair. Il faut se dépêcher de mettre les voiles avant que les gardes ne rappliquent. On a bien le temps de déjeuner. Ben voyons, on va casser la croûte avec eux, tous ensemble, autour d'une grande table, pour parler calmement entre adultes responsables. Ok, ça va, j'ai compris. Bon, voilà, j'ai réfléchi. La ville la plus proche n'est qu'à une dizaine de kilomètres à l'est. En marchant bien, on devrait y être dans l'après-midi. Une fois sur place, nous n'aurons qu'à nous mêler à la population locale pour brouiller les pistes. Par chance, j'ai quelques contacts là-bas qui pourront nous loger le temps que les choses... Ça vient du rez-de-chaussée. Les gardes seraient déjà là. Merde. Tant pis, on fonce dans le tas. Sergent, hier la femme nous a forcé à redescendre nos armes. On s'est fait engueuler et tout. Vous avez déjà oublié? Putain, mais qu'est-ce qu'on a fait aux bonnes femmes? Je passe devant. Attendez-moi, je prends un tabouret. Qui c'est qui est bourré? Voyez, c'est ta mère qui fonce en comble. Et mettez-la à sac s'il le faut, hein. Silence, pomme! Par ici! Ah ah, les cafards sortent enfin de leur trou! Vous allez payer pour tout ce qu'on a subi! Même qu'on n'était pas responsable! C'est la fin, Jack! Je ne t'ai jamais aimé! Mais moi non plus! N'y vois rien de personnel! C'est le métier qui veut ça! Vous êtes passé de l'autre côté, c'est tout! Faut pas déconner non plus, on n'est pas dans une série policière! Oh oh oh! On est juste censé les ramener au camp! Reste en dehors de ça, petit! C'est entre lui et moi! Bon, d'accord! Ah oh, il l'a pas volé celle-là! Attention, on va. On va tirer! Oh merde! Tous à couvert! Attendez un peu! Hé! Faites attention à mon épée! Ah, bah, je dois pourtant pas être bien loin, mon gars! Là-bas! Reste! Lancez dans mon épée! Reste! Cette bouteille se boit comme du petit lait. Rendez-vous, chien de déserteur! Des cafards, des chiens, faudrait savoir! Et là, cessez le feu, arrêtez le massacre! On vous invite à boire un verre! Jamais pendant le service! Faut vraiment tout faire soi-même! Roulez ça, t'as de coups! Sur vous, maintenant! Pfiou, c'était moi une! Mais ils ont pété un fusible, c'est pas possible! S'en prendre à une pauvre femme sans défense, ça fait peine à voir. Je me demande quand même. Ah, vous aussi ça vous étonne qu'ils aient refusé le verre? Non, pas ça! On n'est pas les premiers à déserter, alors pourquoi ils ont envoyé autant de monde à notre poursuite? C'est pas normal. Ça cache quelque chose. Le gros lard doit être nerveux. Ah, c'est vrai ça? Enfin, ça ne nous concerne plus. Waouh, tout est pété, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, vous êtes là, vous? Bah oui, je dormais. C'est possible d'avoir un bol de Nesquik? J'ai comme l'impression qu'on oublie quelque chose. Ah oui, la femme! Elle s'est évanouie quand Buffet a rendu l'âme. Là, elle dépasse des décombres. Ça craint! Je vais la réveiller. Madame? Et où? Ma tête, qu'est-ce qui c'est? Mon auberge! Bah oui, vous avez pas voulu qu'on rentre nos armes, alors forcément... Tout est en ruine, c'est affreux! Le plus important, c'est qu'il n'y ait pas eu de pertes humaines. Ce ne sont que des meubles, après tout. Vous avez saccagé mon établissement et c'est tout ce que vous trouvez à dire! S'il vous plaît, calmez-vous, madame. Bande de voyous! Pas le balai! Aïe, aïe! Nettoyez-moi ce bazar et que ça sente! Dispersion! Revenez! Au secours! Et les crevettes iront beurrer mes tartines. Point. Et vous signez Lyrd. Non, je sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Ça sonnait un peu comme à la télé, mais écrivez simplement Lyrd. Mon colonel. Ah, le voilà qui revient. Avec de bonnes nouvelles, j'espère. Je reprends mon souffle. Mon colonel. Certes. Nos hommes ont retrouvé la trace des déserteurs. Ils se cachaient dans une auberge de Shadow. Oui, je sais déjà tout ça. Ah, au fait, mais pendant que j'y pense, on s'est cotisé avec les camarades pour vous acheter un petit cadeau d'anniversaire. Mon anniversaire? Mais ce n'est pas avant 3 mois. Qu'est-ce que... Oh, une bouteille de whisky! Ce n'est pas grand-chose. Ah non, il fallait pas, ça me touche. Et les déserteurs se sont échappés. Je vous demande pardon? Vous devriez prendre un verre, mon colonel. C'est un excellent whisky. J'espère vraiment que vous avez une bonne explication à me fournir, sinon... Pour tout vous dire, un de nos hommes a déclenché, par accident, une fusillade en présence de civils. Oh putain, la merde! Holy shit! Colonel, votre langage! Quoi, mon langage? Bordel de merde! Le président arrive demain, c'est ma carrière qui est en jeu! Racleur de bidet! Minable! Espèce de larve! Calmez-vous, mon colonel! Est-ce qu'au moins on sait où ils vont? D'après nos informations, ils seraient repartis vers l'est. La direction, hein, pas le soldat. Nom de Dieu! Attendez-les à l'est! Ils cherchent certainement Jean Boileau. Transmettez leur signalement à tous les postes avancés. Bien, mon colonel! Une fois cette histoire terminée, je m'occuperai personnellement de votre cas. En attendant, vous êtes privé de dessert. Oh. Et vous serez aussi fouetté pour l'exemple. Colonel, c'est interdit par le règlement. Oh, merde. Alors vous nettoirez les sanitaires du camp avec votre brosse à dents. Oh, fais chier. En paix.